Nous allons Bible. Nous allons prendre nos Bibles dans notre texte de Juges chapitre 6. Toko kamata Biblia na biso na litangi na biso ya basambi simokapo na motoba. Nous commençons à partir du verset 14. Tobani na molongo ya zomi na mine. Juges chapitre 6 à partir du verset 14. Basambi simokapo na motoba kobana na molongo ya zomi na mine. Nous lisons ceci. Totangi boye. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit. Naboye Yahweh abalola kelonge pai na epe alobi. Va avec cette force que tu as. Kende na makasi wana oyoza na ngo. Et délivre Israël des Madianites. Pe kangola Israël na maboko na bato na Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ezalinga inde na tindi yote. Mais Gédéon répliqua. Pe Gideon a yanola ki. De grâce mon Seigneur. Yo kelangai mon Avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Na ko kangola Israël na nini? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé. Libota na ngai za na motu ya te na ekola ya Manassé. Et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. Pe nga na zali mwana moke kati na bana ya batata na ngai. Lui répondit. Pe Yahweh yanolie. Je serai avec toi. Na ko zala na yo elongo. C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. Pona yango nde okobeta bato na Madian elongo. Gédéon lui dit, Gideon a lobi na ye. Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, na bongo soko salinga ingolu, prouve-moi par un signe que c'est toi, c'est bien toi qui me parles. Talisanga ipolele na elembo ete yondoza kolobela ngai. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie. Kokende mosika na esika yo te na bonde lio. Avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. Kino na zonga epai na yo na likabo oyo na kopesa yo. J'attendrai ton retour, lui dit-il. Na kozela bozongi na yo alobi boye. Gédéon rentra chez lui, apprêta un jeune chevreau et prépara de pain sans levain avec 30 kilos de farine. Gideon na zonga ke epai na ye abongisi mwana ya ngombe pe abongisi mapa ezanga mulu. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Atie mosuni na kitunga pe supu. Puis il apporta le tout à l'ange de Dieu qui se tenait sous le chêne et le lui offrit. Ameminyo se pa ina mwanze na nzambe oyazalaki ozela ye pe apesi yango. L'ange de Dieu lui dit, prends de la viande et les pains sans levain et dépose-les sur ce rocher. Mwanze na nkolo alobi na ye kamata mosuni pe mapezangi fulu tiango likona libanga wana makasi. Puis verse le jus par-dessus. Pe si maso pa soupu likolo na yango. Gédéon obéit. Gideon a tosaki. L'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il tenait en main et en toucha la viande et les pains sans levain. Mwanze na nkolo a sembolaki nzete oyazaki na yango pe simbi mapa ezangi fulu na mosuni. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain. Moto ebimi na libanga pe etumbi mosuni pe mapezangi fulu. Puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Pe mwanze na nkolo abungi na miso na ye. À ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel. Na eleko wana Gideon a asosola ke tela. Et il s'écria, malheur à moi, Seigneur Éternel. Alobi ete mawana ngai nkolo Yahweh. Quand j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Mwanze na nkolo elongi na elongi. Mais l'Éternel lui dit, kasi Yahweh alobi na ye, rassure-toi, n'aie pas peur. Kobanga te, tu ne mourras pas. Okokufa te. Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel assure la paix. Gideon a tongi et tumbelo na esika wana pe apesi yango kombo ete Yahweh apesa kimia. Cet autel existe encore aujourd'hui à Oprah, un village du groupe familial d'Abiezer. Tumbelo wana ezali kino lelo na opra etando na mabele na bato na Abiezer. Le texte continue, nous nous arrêtons là. Litange ezali kokoba pe biso tosuki wana. Et quelqu'un dit très bien amen. Pe motomoko alobi amen malamu. Et quelqu'un ajoute encore amen. Nous sommes en train de parler de la formule de la sortie de la crise. Tozali koloba na ntina na mabongisi mpona kobima na mikakatano.
Il est possible de sortir de la crise. Il est possible de sortir de toute espèce de problème qui nous enveloppe et qui veut nous détruire. Nous avons dit qu'il y a la force dans la détresse. Parce que quand la détresse arrive, elle vient pour accomplir un objectif que Dieu lui a donné. Et Dieu peut mettre fin à la puissance de l'adversaire dans notre détresse. Et nous avons vu que pendant la détresse, Dieu nous a donné une promesse solennelle qui s'attache à la prière. Il exauce la prière. Quand quelqu'un est dans la détresse et il appelle dans la détresse, Dieu intervient. Et parce que Dieu intervient en réponse aux prières, nous pouvons trouver la force dans notre détresse. Et hier, nous avons parlé du premier élément de cette formule de la sortie de la crise que nous avons. Le premier élément important, si nous voulons sortir de la crise, c'est de prendre conscience de la présence de l'Éternel. De prendre conscience de la présence de l'Éternel. Parce que Dieu est présent, les choses peuvent changer. Les choses inexistantes peuvent venir à l'existence. Et les choses invisibles peuvent disparaître. Il y a un homme qui disait, je connais des problèmes dans ma vie. J'ai des difficultés de tout genre. Je suis dans la détresse. Cette détresse est devenue comme un poison dans mon cœur. Quand je pense à ma détresse, je suis en train de perdre l'espoir. Mais voici ce qui va me redonner la force. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je dois me rendre compte qu'il y a un Dieu qui existe. Je dois réfléchir sur base de sa personne. Je dois réfléchir sur base de sa parole. Je dois méditer sa parole. Mais je dois aussi réfléchir sur lui-même. Il est un Dieu bon. Il est lent à la colère. Il est compatissant. Il est tout puissant. Il est le Dieu qui pourvoit à toutes choses. Il condamne le mal. Il justifie celui qui s'abaisse devant lui. Donc je dois réfléchir, prendre conscience de sa présence. Aussi longtemps qu'il est présent, ma situation peut changer. Et je dois me référer à lui et à sa présence. Nous en avons parlé hier. Et aujourd'hui, nous progressons. Comme le deuxième élément et le troisième sont intimement liés, je vais tout faire pour en parler en une fois. Le deuxième élément, c'est le commandement, c'est l'ordre qu'il nous donne. Et le troisième élément, c'est l'accompagnement, le fait qu'il nous appuie. C'est pourquoi vous apprenez toujours, vous lisez dans la Bible, Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges. Quand Dieu nous donne des ordres, il ne nous laisse jamais nous débrouiller nous-mêmes. Il vient nous aider dans l'obéissance à ses ordres pour qu'il nous accompagne et que nous puissions avoir les résultats. Il a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Et vous avez entendu la discussion qui s'est passée entre Gédéon et le Seigneur. Il s'est passé une discussion parce que Gédéon
Il voyait l'ampleur de cette mission-là. Et il se voyait déjà incapable d'obéir à une telle mission. Ça, c'est la première chose qui le préoccupait. La deuxième chose qui le préoccupait était l'identité de cet ange-là qui lui parlait. Si ce n'est pas Dieu qui l'envoie, comment il va finir sa vie? Comme dans sa tradition, il était prévu que le Dieu qui t'envoie en mission pour combattre, il doit accepter ton offrande pour te confirmer qu'il sera avec toi. S'il n'accepte pas ton offrande, c'est qu'il ne sera pas avec toi. Voilà pourquoi Gédéon va lui dire, si c'est vrai que tu vas être avec moi, donne-moi un signe qui ne trompe pas. En Israël, ce signe-là, c'est le fait d'agréer l'offrande. Le fait d'accepter l'offrande était fondamental dans la relation de l'homme. Il connaissait l'histoire de Caïn et d'Abel. Caïn, allant avec son offrande. Abel, allant aussi avec son offrande. Et quand Dieu n'a pas apprécié l'offrande de Caïn, c'est qu'il n'a prouvé pas Caïn quelque part. Il a accepté l'offrande. L'offrande d'Abel. Le Dieu qui accepte l'offrande s'engage dans la vie de celui qui lui offre cette offrande. Voilà pourquoi il est venu avec l'offrande. Si ce sont tes paroles et tu es derrière ces paroles, je scelle ces paroles avec mon offrande. Donne-moi un signe dans cette offrande-là que c'est toi qui es derrière. Et la réponse n'a pas tardé. Vous avez vu, l'ange lui-même commence à lui dire, prends la viande, dépose cette viande sur la table, sur la pierre. Prends le jus. Kamata soupu. Le jus ici, c'est pas le jus, hein. C'est du sang. Quand il a détruit et égorgé la bête, il a recueilli le jus. Il a pris le sang. Reverse le sang. Prends aussi les pains sans levain. Mais ça répand tout ça. Parce que symboliquement, dans les années qui viendront, Dieu montrera un signe. Pas au travers d'une viande qu'on dépose sur la table. C'est son propre fils qui va mourir à la croix pour donner l'assurance à tous ceux qui croiront qu'ils peuvent voir Dieu en permanence dans leur vie. Et la Bible dit que l'ange a touché l'offrande avec le bâton, le feu, pas d'allumette, le feu a consumé tout ce qui était là. La Bible dit que Gédéon reconnut. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps ici, il entretenait encore un petit doute en lui. Il ne savait pas si ce qui arrivait était des aventures ou bien une réalité. Mais au moment où l'offrande est embrasée par le feu, il se rend compte que je n'ai pas affaire à un homme. J'ai affaire à un Dieu. Mais à partir de ce moment, vous suivez, on ne dit pas toujours l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel. On dit l'Éternel. On commence à lui parler. Même si je ne vois pas l'ange, mais il y a la parole de l'Éternel. Même si je ne vois personne, mais je l'entends, il me dit, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir.
Dans la Bible, nous avons la révélation de la parole de Dieu. Et nous pouvons prendre cette révélation et appliquer ça dans notre propre vie. J'aimerais répondre à deux petites questions ce soir. La première question, qu'est-ce que le commandement de Dieu nous révèle? Quand Dieu nous donne son ordre, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Est-ce qu'il veut nous faire comprendre que c'est lui qui commande toutes choses? Ce n'est pas nécessairement ça. Parce que la Bible dit qu'il donne un ordre et la chose s'exécute. Mais ce que nous devons comprendre, et ce qui est important aussi dans notre propre vie, que le commandement de Dieu, l'ordre de Dieu, est d'abord la révélation de la volonté de Dieu pour cette circonstance. Ça veut nous montrer où est Dieu par rapport à nous, par rapport aux événements. Ce qu'il dit en ce moment-là révèle ce qu'il veut faire. Ça révèle ce qu'il veut faire. Bien aimé dans le Seigneur, au milieu de la difficulté, Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Ça révèle que Dieu veut libérer son peuple. Il veut mettre en action sa puissance. C'est ce qu'il a décidé de faire. Et il donne un ordre pour révéler sa volonté souveraine. Quand Dieu te donne un ordre, il te révèle ce qu'il veut faire. Il te révèle ce qu'il veut faire. Il te révèle la voie par excellence par laquelle tu dois passer pour que la réponse arrive. C'est pourquoi même la prière fait partie des commandements de Dieu, fait partie de la volonté révélée de Dieu. Si quelqu'un est dans un problème, qu'il prie. Il dit prier. À ce moment-là, la prière devient une volonté révélée de Dieu. Et si nous l'appliquons, la volonté de Dieu s'accomplira certainement parce qu'il l'a révélée. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est qu'il te révèle sa volonté par rapport à cette chose-là. Il te dit, ne crains rien. Crois seulement. Ça, c'est un commandement. Ça veut dire que prends une attitude qui te permettra de voir ma gloire parce que j'ai déjà décidé de manifester ma gloire. Le commandement veut nous révéler la volonté de Dieu. Mais c'est une volonté déjà arrêtée, non négociable. Donc quand il donne l'ordre, cette volonté est non négociable. Quand Jésus a dit à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Tout le monde a commencé à crier. Ah, mais comment ça? Il est qui veut pardonner les péchés? Il leur dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité de pardonner les péchés. Parce que en disant que tes péchés te sont pardonnés, j'ai enlevé la barrière qui pesait sur lui. Afin de vous démontrer que je suis au pouvoir là, il dit, jeune homme, lève-toi et prends ton lit, marche, va-t'en pour vous prouver que
jeune le pouvoir de pardonner les péchés, d'enlever les péchés de la vie de quelqu'un. En disant tes péchés te sont pardonnés, il est en train de commander au péché et au pouvoir du péché de libérer la vie de cette personne avec ses conséquences. Ah, je pense que je suis en train de parler à quelqu'un. Donc quand Dieu donne son ordre, peu importe de quelle manière il prononce ça, il est en train de révéler et de faire appliquer sa volonté souveraine déjà décidée et non négociable. C'est comme ça qu'il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et ceci arrive. Cela est arrivé. Et que la terre sorte. La terre est sortie. Il donne les ordres. Il révèle ce qu'il veut faire. Sans que ça soit négocié par qui que ce soit. C'est pourquoi il sera difficile à quelqu'un de convaincre Dieu de ne pas te pardonner. Ça sera difficile et ça passe. Que tu convainques Dieu de ne pas pardonner parce qu'il a déjà détruit absous le péché au travers de Jésus-Christ. Il a déjà fait. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a déjà donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ils le sont devenus. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu. C'est un commandement. Personne ne peut empêcher ça pour que ça s'exécute. C'est pourquoi même l'homme le plus difficile, dès qu'il accepte Jésus-Christ dans sa vie, il reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que ça a déjà été commandé il y a les temps anciens, personne ne peut changer ces choses. Donc quand Dieu disait à Gédéon, va avec la force que tu as, cela veut dire qu'il a déjà décidé, il va délivrer Israël. Il a déjà décidé, il ne va pas changer. Écoutez, comprenez que des fois Dieu peut décider et il change. Mais des fois il peut décider et il démontre ici que je ne vais pas changer. Il y avait des signes qui accompagnaient des décisions irréversibles de Dieu. À l'époque. À cette époque-là, parmi ces signes-là, il y avait des signes que les prophètes démontraient. Quand Salomon, il s'est conduit de manière non acceptable par Dieu, le prophète de l'époque et les sacrificateurs sont venus. Il y en a un qui a pris sa veste, il a divisé ça en deux. Il dit, ton royaume sera divisé. En ce moment-là, même si tu pries, il n'y a rien qui va changer. Parce qu'il a déjà décidé que ça va se passer comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ici? Alors, quand Dieu vient en ta faveur, il te donne un ordre. C'est qu'il a déjà décidé qu'il ne va pas changer ça. Qu'on te combatte, qu'on te résiste, tu vas sortir. Tu vas t'en sortir. Voyez-le dans la prison avec Pierre. Il tape Pierre. Lève-toi. La mouka. Dès que Pierre s'est levé, les chaînes se sont brisées. Mignolo le boukani. Tu suis-moi. Abilandanga. Il a commencé à le suivre. Abandiko c'est les portes qui s'ouvrent. Les portes, et puis il les laisse partir. Il donne l'ordre. Hein. Ça, il ne va pas changer ça. C'est je suis venu te dire, son amour a fait une commande pour toi. La commande de la bénédiction. Il doit te sortir de la situation dans laquelle tu es.
Les personnes vont te retourner là-bas. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Du moins pour ceux-là qui croient et qui le souhaitent, qu'il vous soit donné ce que vous. Le premier élément, c'est la révélation de la volonté irréversible de Dieu. C'est important que tu comprennes ça. Parce que si tu demandes aux gens qui ont vécu à l'époque de Paul, il a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Il lui dit, lève-toi, va dans la maison d'un tel, va là-bas, et puis je vais te dire les choses que tu vas faire. Maintenant, ce monsieur, il est rencontré par Dieu. Dieu lui dit, lève-toi, va à tel endroit. Attends, je vais te donner les futures instructions. Maintenant, toi, tu viens discuter avec Dieu. On l'a vu en train de boire là-bas, en train de tuer les gens, en train de faire ceci. Ça vient faire quoi? Rien. Ta position là, elle est en retard. Dieu a déjà décidé de changer les conditions de cette personne. Même si tu discutes, on a vu, j'aimerais dire à quelqu'un. Quand Dieu disait à Gédéon, va avec la force de Dieu. Les Amalécites aussi s'est préparé pour venir. Il n'a pas changé la position des Amalécites. Il n'a pas changé la position des adversaires. Les adversaires étaient toujours dans leur position de croire que nous allons toujours vaincre. Mais ici, Dieu est en train de donner un commandement pour prouver que il va exécuter ça. Deuxième chose. L'ordre de Dieu, quand Dieu donne son ordre, non seulement, je disais, ça nous révèle sa volonté, mais aussi, il faut bien saisir ça. Son ordre veut marquer le temps. Veut diviser le passé de l'avenir. Son ordre vient pour diviser le temps dans ta vie. Le temps où tu étais en train de souffrir, et le temps où tu ne seras plus dans l'ancienne situation. Il vient marquer la séparation. En d'autres termes, il vient créer le présent. Donc, il introduit le présent pour séparer les passés et préparer l'avenir. Son ordre vient séparer le temps dans ta vie. En d'autres termes, avant qu'il me donne l'ordre, tu étais en train de souffrir. Dès lors qu'il va donner l'ordre, il y aura un changement dans ta vie. Les choses ne seront plus comme dans le passé. Donc il y a un changement qui s'introduit. Pendant ce temps-là, le passé commence à devenir passé. Et l'avenir commence à se préparer avec de nouvelles choses que tu n'as jamais vues, avec des choses que tu n'as jamais connues, avec des choses que tu n'as jamais expérimentées. Le passé commence à s'éloigner et l'avenir commence à venir. Permettez-moi cette expression-là. En d'autres termes, quand Dieu dit à cet homme-là, lève-toi, prends ton lit et marche, il y a un passé qui est passé. C'est 38 ans sur le lit, ça sera passé à partir de l'ordre. Il y a un avenir. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Quand Dieu te dit crois seulement, cela veut dire que le passé sera passé. Il y a des choses qui vont arriver qui vont être différentes.
N'est-ce pas qu'il dit que celui qui prie, qu'il croit. Andima. Crois que tu as reçu. Andima et t'as vu en haut. C'est un ordre. Ezami tindo. C'est un ordre. Ezami tindo. Crois que tu l'as reçu. Ma et aujourd'hui. Parce qu'il y a un passé. Poète Ezana Oele. Ce que tu es en train de vivre. Et ce qui va venir. Du moment où tu acceptes cet ordre. Et tu crois. Il y a une division dans le temps. Les choses que tu vivais commencent à devenir de l'histoire. Il y a d'autres choses que tu dois commencer à vivre. Qui commencent à se préparer. Qu'il en soit ainsi dans la vie de quelqu'un. Qu'il est venu prier. La Bible le dit. Si nous savons que nous sommes dans la volonté. Alors, quelle que soit la chose que nous demandons. Nous savons que nous l'avons déjà. Et nous verrons ça. Mais l'ordre de Dieu vient mettre une barrière entre le passé et l'avenir. Avant d'avoir prié, tu étais dans des problèmes. Après avoir prié, tu dois commencer à croire que quelque chose d'autre doit arriver parce que dès lors que Dieu donne l'ordre est exaucé, la situation devient autre chose. Quelqu'un comprend et je parle à la foi de quelqu'un. Je suis en train de parler à la foi de quelqu'un. Que ce que tu as saisi va s'accomplir. L'ordre de Dieu, c'est toi seulement. Même alors que la situation se détériore, Jairus vient dire à Jésus, ma fille est malade. J'irai, je vais la guérir. En cours de route, on lui dit trop tard. L'enfant est déjà décédé. Et Jésus a entendu ça. Et il dit à Jairus, ne crains rien. Crois seulement. En d'autres termes, l'histoire qu'on vient de te dire là, c'est du passé. C'est du passé. Ce que moi je te dis, c'est ce qui va devenir la réalité. Ce qu'il t'a dit, c'est du passé. Et je prépare. Je suis en train de préparer quelqu'un à mettre la limite entre son passé. Aujourd'hui, Je crois que cette crise-là, c'est une crise. Oh non, mais voilà, ils n'ont pas de boisson. Ils n'ont pas de boisson. La fête là. Ils n'ont pas de boisson. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et si cette affaire me concerne, c'est qu'il va vous dire le commandement qu'il va vous donner. Je le connais. Obéissez simplement. S'il vous donne, s'il ne dit rien, c'est autre chose. Mais s'il vous donne un commandement, obéissez seulement, même si ça ne fait pas de sens. Et on commence à regarder sa bouche. Aussi longtemps qu'elle est fermée, rien ne peut arriver. Maintenant, on voit la bouche s'ouvrir. Remplissez. Remplissez ce jus-là. Remplissez ce Christ-là. Remplissez. Oui, remplissez de l'ordre. Remplissez, c'est l'ordre. L'ordre veut dire, il révèle sa volonté, ça sera non négociable, il a déjà décidé de faire quelque chose. On nous a dit que, on doit faire ce qu'il a fait. Allez donner. Kende repèse. Puiser. Toka. Allez donner. Kende repèse. Au moment où vous dites puiser. Na sang bazoba toka. La crise est déjà passée. Quel est le ciel et qui? Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Puiser.
Batoka. On a puisé. Batoki. On a puisé. Batoki. Mais le gars qui a puisé dit. Moto oya toki. Je ne veux pas être ridicule. Hein? Nga na oye ça m'a sonité. Je ne veux pas être ridicule. Na oye ça m'a sonité. Et le chargé de la distribution, lui aussi prend. Yepa Kamati. Mais cette qualité ici, mais le lingue était tout le temps là. Elle était dans le commandement. Elle était dans le commandement. Elle était dans le commandement. Je dis bien, elle était dans le commandement. Quand il commande, c'est toi qui n'obéis pas. C'est comme ça que tu restes toujours dans le passé. Parce que l'ordre qu'il te donne, toi t'as mené de quitter le passé. Et aussi longtemps que tu n'obéis pas, tu restes dans ton passé. S'il n'avait pas obéi de puiser, il resterait dans la crise. Il resterait dans le passé. Il resterait dans le passé. Mais maintenant qu'ils ont obéi, ils quittent la crise. Ils entrent dans le temps des bénédictions que Dieu a prévu pour eux. Et si vous êtes fidèles dans des petites choses, vous êtes qualifiés pour un avenir plein de grandes choses. C'est ce que la Bible nous dit. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ça, c'est la deuxième raison fondamentale de l'ordre de Dieu. Troisième, effectivement, troisième, c'est que l'ordre de Dieu, son commandement, vient opérer le changement réel. C'est pour un changement. C'est-à-dire que si tu étais sous la domination quelconque, ce qui va arriver, c'est le contraire de ce que tu as fait. Le changement en termes d'expérience, en termes de réalité de la vie, un changement. Mbongwana. Lorsque Gédéon est arrivé avec son offrande, Gédéon a ayaki na mbeka na ye. Il était maintenant convaincu que c'est Dieu. Maintenant Dieu commence à lui donner des ordres qui doivent amener les changements. Après avoir été convaincu que c'est Dieu, si vous lisez la suite là, va chez ton père. Et pas tata na yo. Tu avais pris cette brebis ici, ça c'est chez toi que tu as pris. Va chez ton père. Si ko kende pa tata na yo. Prends une brebis. Kamata mwana prends un mouton. Kamata viens avec. Yaka nango. Détruis l'hôtel de ton père. Uka etumbelo ya mbeka ya tata na yo. Détruis l'hôtel de ton père. Uka etumbelo ya mbeka wana. Récupère les planches, le mobilier qui était utilisé pour l'hôtel de ton père de Baal. Va à la montagne de là-bas. Utilise ça comme hôtel. Sacrifie maintenant pour moi. Parce que, un, je dois te donner la victoire là où tu vis. Maintenant, les gens se réveillent le matin. Oh, l'hôtel de Baal, qui a fait ça? Gédéon. Ah, non. En tout cas, sors ton fils ici. Sors ton fils. Sors ton fils. Qui est ce papa-là, même si son fils a commis des péchés? Il va le prendre pour le livrer entre les mains des gens. Non. Mon fils. Non, je ne vous le donne pas.
Il a fait quoi? À Salinine. Il a renversé l'hôtel de Baal. Oh, à Bouki et mais n'est-ce pas Baal, c'est un dieu. Ah, mais Baal a Zanzambi. Alors pourquoi vous l'aidez? Bon, Dieu est censé se venger lui-même. S'il si est vraiment Dieu, so quoi, Zanzambi, les hommes de Dieu l'ont venu se venger contre le fils. Laissez-la. Bon, nous tous, nous avons adoré Baal, non? Alors, maintenant, laissons-le venir se venger, mon fils est là. Celui qui ose le toucher, il va mourir. Mais si Baal lui-même se venger. Et puis brusquement, Gédéon change de surnom. Il change de surnom. Jérubal. Quand il se promène là, on dit Jérubal. Et puis l'information commence à circuler. Il y a Gédéon qui a détruit l'hôtel de son père. Parce que Dieu lui aurait parlé de faire un sacrifice. L'information avance. Lui avait dit à l'ange, qui suis-je? Je ne suis pas connu. Ma famille n'est pas connue. Moi-même, je suis le plus petit. Dieu lui fait poser un acte qui le rend déjà populaire au niveau des faux dieux. Oh mon Dieu, il est bien déjà populaire. C'est-à-dire, quand il passait, on dit, c'est ce monsieur qui a défilé, qui a défié Baal. Donc il est allé détruire l'hôtel de Baal. Et il veut que si Baal est Dieu qui l'a, il le voit. Et Baal, on voit ce monsieur ici qui est librement. Baal ne l'a jamais touché, vous savez. Nous nous craignons, Baal, il peut nous tuer. Mais Baal ne peut rien faire contre ce monsieur. Quand Dieu te donne des ordres, ça peut te créer des problèmes. Il va t'accompagner. Il va t'accompagner. Par des signes qui ne trompent pas. Deuxièmement, la Bible dit, quand il a fini d'offrir le sacrifice, les Madianites sont venus avec les Amalécites et tout le peuple de l'Orient. Ils sont venus camper comme toujours. Ils se sont placés là-bas avant d'envahir le pays. Et la Bible dit ceci. Quand ils étaient là, l'Esprit de l'Éternel remplit Gédéon. Et ton ici Gédéon. Il prend le corps. Akamati kelelo. Tout le monde entendait. Bagnon subayoki. Le pou là. Et le pou anaza kobeta. Il ne l'entendait plus jamais. Quand les Amalécites venaient, il n'y avait pas de pou-pou. Pourquoi? Personne n'était qualifié de la part de Dieu pour convoquer une armée pour combattre les adversaires. Personne. Mais maintenant, ils entendent. Et puis chacun se pose la question. C'est qui? Nanuana. Mais comme Dieu l'a déjà rendu populaire, comme Jérubal, il commence à dire, ah, c'est Jérubal. C'est Jérubal. C'est Jérubal. Si Baal n'a jamais rien fait contre lui, tous ceux-là sont les adorateurs de Baal. Tous ces gens qui veulent combattre, c'est les adorateurs de Baal. Et Baal n'a jamais rien fait contre lui. Et celui qui est en train de nous convoquer au nom de l'Éternel. La Bible dit que les tribus ont commencé à avancer. Normalement, c'est quand un vrai général connu par tout le monde appelle que tout le monde va partir. Mais maintenant, un général qu'on ne connaît pas, mais parce qu'il est revêtu de l'esprit, il est rempli de l'esprit, il sonne la trompette. J'aimerais dire à quelqu'un ici, pendant que nous approchons décembre, combien d'ennemis n'approchent pas ta famille? Combien d'ennemis, ceux-là veulent toucher les enfants, d'autres veulent toucher les affaires, d'autres veulent toucher la santé, d'autres, ils viennent. Mais ils vont entendre. Pouh!
vont entendre le bruit de quelqu'un revêtu du Saint-Esprit en train d'appeler même les anges au secours. Oh mon Dieu, la bataille ne se terminera pas comme ça. La prière sera exaucée. Le Saint-Esprit te revêtira de force et tu vas crier dans ta prière. Tu vas élever ta voix. Ce sont les anges qui vont s'approcher. C'est la famille qui va voir. Les ennemis se dispersent. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'obéir. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Toi. Tu seras sauvé. Toi. Et ta famille. Okobika yo na libota na yo. Tu seras sauvé. Okobiki sama. Toi. Yo. Et ta famille. Pe libota na yo. Quand tu crieras. Tango kobelela yawa koyoka. Il enverra le secours. Il dispersera les adversaires. Palanganisa banguna. L'ordre. Mitindo. Mentionne le temps. Ezali kotia tango. Mais ça provoque aussi des changements. Pe ezali komema mbongwana. Voilà pourquoi j'attends les changements. Tala pona ni nazo zela mbongwana. Dans le calendrier de ta santé, il y aura des changements. Na manaka ya bokolongono na yo mbongwana. Il y aura des changements dans le calendrier. Mbongwana na manaka ya bokolongono na yo. Je le déclare, la somme que tu as dépensée pour ta santé, il y a des années passées, sera réduite à 100%, à un pourcentage élevé, pour te montrer qu'il y a la main de Dieu. Pour te montrer le boko na nzambe za ko simba yo. Et puis Gédéon a reçu les ordres. Gédéon a zumi tindo. Il est allé au combat. A keine etumba. Il a convoqué. A bengi etumba to. Dieu lui dit non. Nzambe alobi na ete. Ils sont trop nombreux. Baleki ebele. Ils sont trop nombreux. Baleki ebele. Il ne faut pas que les gens croient que c'est le nombre qui sont. Ils sont trop nombreux. Fais la sélection. Oui, les ordres viennent pour révéler la volonté de Dieu. Pour marquer qu'il y a un temps passé. Un temps. Dans le passé, vous comptiez sur le nombre de l'armée. Maintenant, il faut compter sur la volonté de Dieu. Et si tu obéis, il y aura un changement sur toi. Au fur et à mesure, il est allé au combat. Il est allé au combat. Il a gagné, nous verrons certaines choses plus tard. Mais il a obéi. Kasi a tosaki. Et parce qu'il a obéi, pointe a tosaki. Dieu lui a accordé la victoire. Nzamba pesa ki elong. Je vais développer chaque dimanche yenga nyoso l'école de la victoire. Na kobongisa malaki sina ntina na etelo. Le titre de chaque dimanche, ça sera pour les enfants de la maison. Yenga nyoso ekoza pona bana ya ndako. Bon, je sais que les autres aussi. Nabi bamusupe bakozala. École de la victoire. Et kelasi ya elonga. Pour que nous voyons comment nous pouvons évoluer dans la victoire. Tokoki kokoba na elonga. Je suis convaincu par ces dieux-là. Nani sami na nzambe wana. Que la victoire. Et elonga doit devenir ton nouveau environnement. Et comme lolenge na yo ya sika. Dans lequel tu dois évoluer. Et que les échecs deviennent des situations du passé. Parce que Dieu te fait grâce. Tu es dans la faveur. Alors je disais que le troisième élément, c'est le changement substantiel que Dieu nous accorde. Et pourquoi il nous accorde cela? La dernière réponse, c'est parce qu'il nous accompagne. Il nous accompagne. Et quand il nous accompagne, il y a une chose particulière qu'il fait. Quand il nous accompagne, il place en nous sa présence. C'est-à-dire que cette présence que nous avons vue, l'ange de l'éternel, l'ange de l'éternel, il met son onction sur nous, de sorte qu'il n'a plus besoin d'être là parce que par délégation nous sommes. Il place en nous
son autorité. Il nous rêvait de son autorité, de sa présence. C'est ici que j'aimerais dire quelque chose pour que je sois très bien compris. Parce que si je suis mal compris, ça sera vraiment dommage. Je vous ai donné l'importance du commandement de Dieu. Ce que ça vient faire dans notre vie. Ça vient révéler la volonté de Dieu. Ça vient marquer le temps. Ça vient provoquer des changements. Mais sur terrain, Dieu veut que ce nous qui sortions ce commandement. Que ça sorte de notre bouche. C'est pourquoi il a dit, vous chasserez les démons. Vous chasserez les démons. Mais alors, ici, je vous demande d'être très attentif. C'est pourquoi je vous le dis. Dieu, lui, il est Dieu. Quand il vient, il nous donne le commandement. Nous, nous sommes serviteurs. Nous ne pouvons jamais donner ce commandement s'il ne nous demande pas de donner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sinon alors, on serait partout où on voit un démon. Sors au nom de Jésus. Est-ce qu'il t'a demandé de le faire? Nous exerçons son pouvoir sous son autorité. S'il nous dit de faire, nous le faisons. S'il nous dit pas de le faire, c'est pas parce que le commandement est là, oui, on le fait en désordre. Il est écrit, chassez les démons, guérissez les malades. C'est un commandement. Mais c'est un commandement à notre niveau qui devient un niveau de service. Cela veut dire, il doit me dire, fais-le maintenant et je le fais. Le commandement est là. Mais je ne sais pas le faire s'il ne me demande pas de le faire. Sinon, j'irai dans tous les hôpitaux. Et je sortirai tous les malades. Parce qu'il est écrit, guérissez les malades. Prenez ce verset-là. Entrez dans les hôpitaux. Lisez, Dieu a dit, guérissez les malades. Allez, les malades. Soyez guéris. Ils ne sortiront pas. Pourquoi? Est-ce que c'est ce que Dieu vous a demandé de faire en ce moment? Et cela s'est fait dans un cadre. Dans le cadre du salut, quelqu'un qui est sauvé, Dieu complète un certain nombre. Si ça n'était que ça, on sortirait tout le monde de l'hôpital. Mais vous n'êtes pas sûr si tout le monde qui est sorti va nécessairement devenir chrétien. Il y en a d'autres qui sortiraient, qui continueraient leur vie comme par le passé. C'est pourquoi j'ai dit, je dois bien me faire comprendre. Quand maintenant Dieu nous accompagne, c'est nous qui donnons les ordres. Sous les ordres de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est nous qui donnons les ordres. Sous les ordres de Dieu. Il va me dire, maintenant prie pour les malades. Il va me dire que tous les malades arrivent ici. Parce qu'il me convainc de prier pour les malades. Quelqu'un comprend? Je suis en train d'aider quelqu'un pour qu'il ne fasse pas ce qu'un de mes amis avait fait. Il est allé voir quelqu'un qui avait des problèmes pour marcher. Un enfant. Il a regardé à gauche et à droite. Il a touché l'enfant. Il a soulevé. L'enfant est tombé. Il a tapé, tu n'as pas la foi. Il est parti. Il est parti. Ça veut dire quoi? Il a voulu tester. Mais il n'avait pas le mandat de le faire.
J'étais dans le bandundu ici. Nazalaki na bandundu awa. La première fois que j'ai vu ces choses-là. J'étais en train de prêcher. Nga nazali koteya. Je prêchais. Nazoteya. Et puis les gens commençaient à crier. Il y a un enfant. Je ne l'ai jamais vu quand il ne marchait pas. Moi je prêchais le salut. Mais il s'est levé. Il a commencé à venir. Et on me l'a présenté. Et cet enfant ici, il ne marchait pas. Pendant que tu parlais, il a commencé à marcher. Dernièrement, je ne sais même pas avec qui on était là. Dans la ville même. Dans la ville. Le maire de la ville. Il me dit, voilà, les sorciers ont maudit cet endroit. Nous, on veut faire le marché ici. Mais ils ont maudit, on ne sait pas faire le marché. Je sais plus, on était dans une équipe là, il y avait quand même des frères. On est allé, on a prié sur le lieu. On dit, allez, on doit construire ici un point d'entrée, on est parti. Deux médecins qui étaient choristes. L'homme et la femme. Il n'avait pas d'enfant. Quand ils jouaient, ils sont venus me voir. Ma femme a le micro. Moi j'ai la guitare. On loue Dieu. Mais ça fait des années. On est des médecins. Et puis plus tard, ils m'ont appelé et dit, nous avons un premier enfant. J'ai dit, vous aurez un deuxième. J'attends le coup de fil pour qu'il dise. Vous donnez un commandement. Parce que celui-là vous convainc que c'est ce que vous devez faire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je me rappelle papa Atas à un moment donné. On s'est croisé à Lubumbashi. Il me voit prêcher à Vienne, il me dit, mais ces histoires-ci, comment ça se passe pas chez nous? Je dis, ah, chez nous, on me connaît déjà. On avait pas des fois quand tu parles, on se demande. Ici, les gens ne me connaissent pas. Ils me font un peu confiance. Je ne sais même plus s'ils se rappellent de ça. C'était des conventions de Vienne et Foix. Et il y avait des grandes choses qui se passaient. Vous savez, bien aimé, je vous donne un conseil. Oubliez que vous avez déjà vu quelqu'un ici. Écoutez Dieu. Yo kanzambe. Mettez-vous à écouter Dieu. Yo kanzambe. Quelle que soit la personne que vous verrez. Oya kote le mawazanani. Écoutez Dieu. Yo kanzambe. Prenez au sérieux. Kamata na motuya. Vous allez voir. Pe ko mona oyo ko komela yo. Vous serez sérieusement béni. Yo ko pambola mapenza. Parce que Dieu utilise toutes les forces. Pe nzambe asale la kabile ko nyoso. Ne vous privez pas de nourriture. Ko mipe kisabile ite. Vous voyez celui qui est devant là. Celui-là, on le connaît déjà. Oh, on, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Je vous exhorte. Nazolendi sabino. Dieu nous donne le commandement. Zambazo pesa biso mitindo. Même au travers de sa parole. Atana nzela il nzela vous convainc de quelque chose. Akondimisa yo na lokomoko. Qui décourage les autres. Ezana ba ba lembisa kaba mosusu. J'ai entendu des prédications de découragement. Na yoka matea oya ko lembisa. Quelqu'un disait, mais quelle est la signification de l'offrande que tu vas donner là-bas? Oh non, j'ai saisi cette parole, est-ce que ça a une signification? C'est écrit où? Et puis j'ai vu des gens devenir timides. C'était à Paris. Et là, à Paris. Moi, j'étais le prochain qui devait parler. Je leur ai dit, Gédéon était convaincu de faire une offrande particulière. Personne ne l'a envoyé. Si vous êtes convaincu de faire quelque chose, faites-le. Alors, si Dieu vient vous condamner pour avoir fait ça, alors ne le faites plus.
Mais je suis sûr qu'il ne vous condamnera pas. Nous sommes à une époque où l'Esprit de Dieu parle à chacun à sa manière. Quelqu'un qui est convaincu de quelque chose. Si ce n'est pas mauvais, et que le Seigneur te convainc de poser cette question-là, ce commandement-là garde quelque chose par rapport à ta vie. Moi, je suis convaincu qu'il ne te dira pas va gifler cette personne. Il ne te dira jamais ça. Mais s'il te dit ça, donc ce n'est pas Dieu. On va t'arrêter. On va t'arrêter, on va te délivrer. Donc bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous accompagne. Il nous investit de son pouvoir. Mais nous devons discerner qu'est-ce que nous devons dire et où devons-nous dire ce que nous devons dire. Parce que Dieu nous délève son pouvoir. Il nous donne une certaine notoriété. Regardez Pierre. Il voit Ananias. Ananias. Et Saphira. Saphira. Ça l'énerve. Et il discerne ce que ces gens sont en train de mentir. Ça l'énerve. Et vous voulez mentir Dieu? Vous ne saurez pas mentir Dieu? Où il tombe, il meurt. Mais imaginez-vous, Kanisa. Je suis certain qu'il y a des gens qui se sont réservés. Des mentirs disent, ah, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est pourquoi quand vous êtes réveillés, ne maudissez jamais. Les premières victimes dans nos familles, ce sont les enfants. Bato ya liboso oyo bazwaka libaka leza bana na biso na mabota. Tu regardes comment le diable le manipule. Otali ndenge mwana ndenge diable aza ko. Toi, si tu le rejoins, tu dis tu es nul. Tu seras nul. Tu seras okobongate, okobongate. C'est ça la confession. Wana ndenge litatoli? Non. Te. Toi, tu dois dire l'opposé. Yo sengeli oyo ba oyo kesi. Tu dois commander ce que tu devrais voir. Yo sengeli opesa mitindo ya oyo lingo mona. Je suis en train d'atterrir en disant. Nga naza ko kita na koloba. Le pouvoir de Dieu là. Mpifo na nzambe wana. Qui commande les choses. Oyo zali ko pesa mitindo na makambo. Il nous l'a donné. Apesi biso yango. Il nous a donné ça. Apesi biso yango. C'est pourquoi il dit. Bona yango nde alobi. Va. Kende. Avec quoi? Na nini? Avec la force. Na makasi. Que je te donne pour délivrer. Quand tu vas commander, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Mais il ne faut pas prendre ça à la légère pour aller appliquer ça n'importe où, n'importe comment. Parce qu'il s'agit là de l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu. On ne veut pas blaguer avec. C'est l'autorité de Dieu. Je prie que Dieu nous revête de son autorité. Samedi, quand nous allons venir ici, le samedi, nous partirons de 16h à 18h. Nous viendrons rien que pour prier. On ne va que prier. S'il y a des gens qui ont besoin qu'on prie pour eux, ils vont passer ici. Si vous voulez, on vous imposera les mains. Si vous voulez, lui, on te mettra des mains. Tout ce que tu veux, nous allons prier. Nous allons prier pour que quelque chose de nouveau se passe. Je vous le dis parce que j'ai reçu l'ordre de vous dire. Venez de 16h à 18h. Chacun avec un problème particulier. Je demande aux anciens d'être là à temps. S'il y a des malades qui auront besoin de la prière avec onction d'huile, on le fera. Les chaînes se coupent. Je suis en train de les sentir. Et je sais que ça va se passer. Alors en résumé, Dieu
par sa présence, Nzambe na bozali na ye, par son ordre, na mitindo na ye, et par son accompagnement, na kokende na ye elongo, il nous donne la possibilité de sortir. Azo peso makoki ya kobima. Avec ces réalités, na bosolo wana, nous pouvons sortir de notre situation. Kobima na makambo na biso. Il faut simplement prendre conscience esengeli yo ndimisama. Et ne pas trop être hésitant comme Gédéon. Oh, ben ima ima mingi mingi tel au point de l'endroit où il a reçu cet ordre. Jusqu'au temps où il est venu vaincre les Amalécites. Il s'est passé beaucoup d'événements qui démontraient la faiblesse de sa foi. Komoni sa mota ou ya kondima na ye. Il a douté, il a hésité, il a demandé des signes, asengi bilembo. Il a placé des toits. Il a fait tout, il a changé l'ambiance. Dieu l'a accompagné. Dieu n'était pas fatigué de lui en disant, mais finalement, je vais aller choisir quelqu'un d'autre. Non, Dieu est patient avec toi. Il est patient avec toi. Aussi longtemps que tu es déterminé à lui obéir, fais-lui confiance. Et à chaque étape, fais-lui confiance. Prends conscience de sa présence. Obéis à ses ordres. Cherche à être revêtu de sa puissance. Maintenant, toi, pratique ces ordres-là par délégation du pouvoir. Et les choses vont changer. Et quelqu'un dira à l'Éternel et à Gédéon. Personne ne louera Dieu dans ta famille sans citer ton nom. Je suis en train de dire à quelqu'un, personne ne louera Dieu dans ta famille sans citer ton nom à côté, parce que Dieu agira au travers de il agira au travers de toi. Déjà de ce soir, tu deviens Jérubal de ta famille. Jérubal. Jérubal. Prier ce soir pour renverser tout ce qui a comme forteresse dans ta famille et ta famille. Même les choses que tu ne connais pas. Je suis certain que je suis d'une famille humaine. Nous avons des tares du péché. Et cette nuit, je renverse, je détruis tout ce qui est de l'ennemi. Et le jour de la prière, viens avec un symbole de sacrifice. Yaka na elembo yambeka. Un symbole de sacrifice. Elembo yambeka. Pour ta famille. Pona libota na yoana. Le jour que tu viendras, tu déposes ça. Mukolo yoko ya oti yango. La somme n'est pas très très importante. Motu yanango ezali nantina penza te. Mais viens avec un symbole de sacrifice. Yaka na elembo yambeka. Une offrande. Likabo. Que tu donnes à Dieu. Oh kope sepa nanza. Pour que la puissance de Dieu puisse se libérer totalement au travers. Ça, c'est Dieu qui a dit ça à Gédéon. Hein. Gédéon avait sa propre offrande. Il a fait à Dieu. Mais celle-là, c'est Dieu qui lui a dit, va détruire l'autel de ton père. Prends son mouton. Kamata meme na ye. Prends les bois qui étaient kamata là. Banzete, oh, ezalaki wana. Va brûler ça. Kende ko tumba yango. Et le pouvoir de la famille de ton père et son père va disparaître sur ton sol. Toi, tu ne vas pas aller prendre l'habit de ton père. Yo, ke no zabi la main ya tata na yo, te. Spirituellement, tu vas briser le pouvoir qu'il y a dans l'ensemble. Et tu vas prendre symboliquement une offrande. Tu viens offrir ça. Et tu passes le temps de prière. Je suis certain que tu auras un témoignage. Parce que je suis convaincu de celui qui m'a dit de vous le dire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter un cantique et nous allons te lire debout.
Je sens que Dieu veut rafraîchir quelqu'un ici avant de sortir. Nazoyo kaete nzambe alingi ko pesa. Semblable à toi. Oh Dieu, tu nous as créés à ta ressemblance, qui est semblable à toi. Alléluia. Oh Dieu, c'est un honneur, Seigneur, pour nous de t'adorer. Nous proclamons que nous t'aimons, Seigneur. Et notre amour est une réponse à ton amour. Ton amour qui donne les ordres dans notre vie. Les ordres de notre guérison. Ton amour ne peut pas supporter de nous voir malades. Ton amour ne peut pas nous supporter de nous voir souffrir sous les mains des adversaires. Et c'est par amour que tu t'es donné afin de nous libérer de toute forme d'esclavage. Merci Seigneur pour ton amour incommensurable. C'est ton amour qui commande notre vie. C'est ton amour qui met
une limite entre le passé et le passé. C'est un amour qui change les circonstances de la vie. Je te prie ce soir de répandre, inonder de ton amour dans le cœur de tes enfants. Et que nous réalisons que tu nous aimes. Et ta présence en nous manifestera ton amour. Et ton amour prouvera que nous ne serons jamais abandonnés. Tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous délaisseras jamais. Donne tes ordres. Oriente nos vies. Révèle-toi davantage. Que nos actions soient les reflets de la révélation de tes ordres. Que notre vie reflète la manifestation de l'obéissance que nous avons aux ordres qui nous donnent. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour tes commandements. Merci pour l'accompagnement de ton esprit. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen trois fois.